Le Grand Prix de Monaco a réuni de nombreuses célébrités. La famille princière était elle aussi présente et de nombreux membres du clan se sont affichés sur les paddocks. Les stars étaient de sortie ce dimanche 28 mai 2023. En effet, le Grand Prix de Monaco a réuni un parterre de célébrités. Charlotte Casiraghi était accompagnée de son fils aîné Raphaël Elmaleh, qui n'est autre que l'enfant de l'humoriste Gad Elmaleh. La mère de famille est apparue très élégante, pour retrouver son grand frère Andrea et sa belle-sœur, Tatiana Santo Domingo. Le couple était également accompagné de son fils Sacha. La famille princière réunie, toute cette petite famille a pu également se joindre à Louis Ducruet et à sa femme, Marie, qui a accouché récemment. Tout ce beau petit monde a pu voir apparaître le prince Albert et son épouse, Charlène de Monaco. En effet, le couple princier a remis le trophée au champion Max Verstappen qui a remporté le GP de Monaco. La maman de Gabriella et de Jacques est apparue dans une magnifique robe longue. Elle a également arboré une toute nouvelle coupe de cheveux. Exit le blond platine et bienvenue au châtain foncé. La famille princière n'a pas hésité à faire le show lors de ce Grand Prix de Monaco. À propos de l'auteur Rolne passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles est Thomas Pesquet furieux, Ferrarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mâts? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso.